Bonjour, je suis Pascale Requena, j'ai 52 ans, je vis à Ajetmo dans les Landes et je suis maman de 3 enfants. Je suis juriste de formation, directrice des ressources humaines de métier. J'ai exercé dans des EHPAD et également dans une grande entreprise. Je suis engagée dans la vie publique de ma commune depuis 2001. J'ai donc été adjointe au maire de 2001 à 2020. Je suis devenue maire et présidente de ma communauté de communes en 2020. Et depuis 2016, je suis conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est à cette date que j'ai adhéré au mouvement démocrate. Lorsque je me suis engagée dans la vie publique en 2001, je l'ai fait parce que je crois sincèrement que j'avais le goût des autres pour travailler pour mes concitoyens. L'adhésion au mouvement démocrate me paraissait naturelle puisque cette lignée humaniste me correspondait parfaitement et jusqu'alors je n'avais pas fait d'adhésion à quelque mouvement politique que ce soit. Aujourd'hui, je porte ces valeurs au sein de la Nouvelle-Aquitaine et bien sûr elles m'animent au quotidien dans mon mandat de maire et de présidente de PCI. Alors un exemple de réalisation alors totalement humaine qui relève de mon mandat, c'est la mise en place d'une mobilité solidaire au sein de ma commune que j'ai pu déployer sur les 50 communes de ma communauté de communes. Il s'agit de roulons solidaires. Le principe, c'est qu'il y a des bénévoles qui mettent en relation des personnes qui ont des besoins, qui n'ont pas de voiture, qui sont âgées, qui ne peuvent se déplacer parce que dans notre ruralité, il faut savoir qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc ces personnes qui mettent en relation des personnes qui ont des besoins avec des chauffeurs bénévoles qui, moyennant une petite rétribution, les conduisent là où ils ont besoin d'aller. Ça crée du lien social, ça dépanne les personnes qui en ont besoin et je suis extrêmement fière de cette réalisation.